Ah bah Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Tito, merci de bénir abondamment Niki, merci de bénir abondamment Vincent et moi-même, ainsi que toutes nos familles et amis en surabondance. Merci de bénir tous ceux qui écouteront cette étude par la suite et de bénir tous ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de faire de nous tes saints qui persévéreront dans. Persévérons, qui patientons, qui endurons en observant tous tes commandements. Il y en a 10 décalogues, tes 10 paroles, tes 10 commandements, avec la foi de Jésus, que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux ensemble. Ce n'est pas ou la foi ou les 10 commandements, mais c'est les 10 commandements avec la foi, avec une foi vivante. Les deux sont complémentaires et indissociables. Merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres chrétiens, parce qu'on reçoit ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie, et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs, prédicateurs et nous-mêmes disons est exact. Amen. Et merci de qu'on se base sur toi et uniquement sur toi, qu'on rejette toutes les traditions humaines et qu'on se base que sur tes commandements. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, on va finir avec ce livre, normalement, aujourd'hui, et peut-être avec le commandement, j'espère. Le troisième, on est toujours au troisième, ça fait 3 fois qu'on est au troisième, là c'est la quatrième. Mais bon, la troisième fois, c'était surtout un rappel que j'avais. Donc, pour finir avec ce livre, pour parler du nom divin, donc là, le titre de ce soir, c'est Respectons le nom de notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Donc, pour finir avec ce petit livret, l'absence du nom divin dans le Nouveau Testament n'est absolument pas une indication de l'altération du texte sacré. Cela témoigne d'une réalité et d'une volonté divine. Rappelons que le contenu de l'Ancien Testament est l'ombre des réalités à venir. Comme le nom divin, certaines pratiques devraient exister pour toujours, comme l'institution du sabbat. Et ça, c'est un non-sabbatiste qui écrit ça. Bon, bref, la circoncision, les sacrifices, etc. Mais dans le Nouveau Testament, les différentes cérémonies, les fêtes, les sacrifices, etc., trouvaient leur place réelle et leur signification dans l'œuvre et la personne de Christ. Serait-il inadéquat de dire que le nom divin de l'Ancien Testament trouve sa vraie place et sa signification dans le Nouveau, à travers le Père que Jésus nous a révélé? Serait-il inapproprié aussi de dire que ce nom divin trouve son accomplissement ultime et sa réelle signification dans la personne et dans l'œuvre du Christ? Qui porte le nom de son père. Et là, on va prendre ensemble. Tac, je ne vais pas perdre la page. C'est Jean 17, versets 10 et 11. Jean 17, versets 10 et 11. C'est rare, pour une fois, je ne suis pas allé trop loin. Je suis allé pas assez loin. Ah, si, souvent. Alors, Jean 17, 10 et 12. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et le verset 12, pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Le verset 11, s'il est bien, attendez, je vais vous. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Donc, ne serait-il pas plus juste de reconnaître que l'Esprit de Dieu a conduit toutes choses pour qu'ainsi l'unité divine de Jésus-Christ avec son Père soit plus visible et confirmée? Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et le dernier paragraphe. C'est un peuple choisi pour le nom de Dieu. Mais il y a une suite. Ça, c'est ce qu'il dit lui, mais moi, après, je vais vous dire ce que je pense, moi. Donc, en s'appuyant sur Acte 15, verset 14, que je vais vous relire. Alors, Acte 15, 14. Et Isaïe 43, 10. Donc, Acte 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, un peuple consacré à son nom. Et Ésaïe 43, 10, alors, Ésaïe 43, 10, tac, 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 tac. Là, oui, je suis allé encore trop loin, je suis dans Jérémie. Ésaïe 43, 10.
Hop. Alors, Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi et il n'y aura point après moi. Le verset 11 aussi, il est pas mal. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a point de sauveur que moi. Amen. Donc, vous voyez, avec ces deux versets, et Actes 15, 14 et Ésaïe 43, 10, les témoins de Jéhovah se vantent d'être un peuple choisi pour porter le nom de Dieu. Surtout, vous avez vu, Ésaïe, ils insistent en disant que les vrais adorateurs de Dieu doivent porter ce nom. Pourtant, lorsque Dieu adresse ses paroles au peuple d'Israël, là, Ésaïe 43, 10, que je vais lire, vous êtes mes témoins, vous voyez. C'est pour ça qu'ils ont inventé avec ce verset. Les témoins de Jéhovah, vu qu'ils croient que c'est Jéhovah le vrai nom, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi et il n'y en aura point après moi. C'est pour ça aussi qu'ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Sauf que s'ils avaient compris le salut, bon bref. Et pourtant le verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel et il n'y a point de sauveur que moi. Là aussi, c'est clair que l'Éternel est sauveur, et comme Jésus est sauveur, là aussi, c'est clair que j'ai... Mais bon, bref, c'est pas grave. Faut prier pour nos frères. Donc, il ne leur donne pas le nom de témoin de Jéhovah pour qu'ils le portent et qu'ils soient connus par ce nom. La preuve en est que ce peuple n'a jamais porté ce nom au cours de son histoire. De plus, il est étrange qu'une organisation vivant sous l'ère chrétienne tire son nom de l'Ancien Testament. Oui, c'est clair. Bon, j'aime pas dire ancien, je préfère dire premier testament, parce que c'est un peu péjoratif. Comme nouveau, je préfère dire dernier ou deuxième. Et l'organisation prétend que ce nom leur est donné par la bouche de Jéhovah selon Ésaïe 43, 10, mais en réalité, ce n'était qu'un nom inventé et donné par Rutherford. Jusqu'en 1931, ils étaient connus comme les étudiants de la Bible. Mais quand il y a eu plusieurs divisions et que ceux-ci revendiquent également cette appellation, Rutherford décide de changer le nom de son mouvement dans le but de se distinguer de ses groupes dissidents. S'il n'y avait pas eu ces divisions, il n'allait jamais porter le nom de témoin de Jéhovah. Et c'est d'après Voir le royaume, l'espérance du monde de 1931 à la page 29 à 34. Donc vous imaginez dans leur livre à eux. Et ce pasteur, il est spécialisé chez les témoins de Jéhovah. C'est pour ça que Dieu conduit toute chose qui me l'a fait trouver à la CLC il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, mais à la CLC à Montélimar et que je l'ai acheté. Bon, 1 €, un petit fascicule comme ça. Mmh. Et le mec, il est spécialisé, il a fait un bien plus grand livre sur toutes les erreurs des témoins de Jéhovah. Mais bon, plutôt que revendiquer des erreurs, il ferait mieux de voir les erreurs qui sont dans leur église. Bon, bref, je ferme ma parenthèse. Quant aux chrétiens du Nouveau, c'est parce que c'est facile de dire ah, ça y fait mal, ça y fait mal, ça y fait mal, mais il faut regarder chez soi avant, il faut regarder la poutre qu'on a dans notre œil avant de regarder la paille chez le voisin. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Quant aux chrétiens du Nouveau Testament, tout en étant au courant de ces versets, Actes 15, 14 et Ésaïe 43, 10, ils ne les ont pas interprétés comme l'organisation. Pour eux, prendre parmi les nations un peuple qui porte son nom signifie la création de l'Église de Jésus-Christ, composée des chrétiens de toutes les nations et non de Jéhovah, ni dans l'histoire, ni dans le Nouveau Testament, ni dans les écrits postérieurs, nous ne trouvons d'indices montrant que les chrétiens portent le nom de témoins de Jéhovah. Par contre, c'est vrai que dans la Osterwald, par exemple dans Genèse 22, 14, il est dit qu'Abraham, juste après, quand il devait sacrifier son fils, son unique, sur la montagne de Morija, et ben, juste après, il a dit ben, « je vais appeler ce lieu l'Éternel y pourvoira ». Et dans certaines traductions, c'est « Jéhovah Jiré », dans d'autres, c'est « Yahweh Jiré ». Et dans d'autres, c'est YHWH, j'irai. Et c'est YHWH, et il y en a qui l'ont traduit par Yahweh ou par Jéhovah, mais pour moi, c'est aucun des deux. C'est YHWH, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyelle. Et donc, c'est même pas Yahweh, ni et encore moins Jéhovah, c'est le dernier, ni Yahweh, mais Jéhovah, c'est le dernier des trois. C'est ou Yahweh, ou Yahweh, mais en tous les cas, il n'y avait pas de voyelle, donc c'est même aucun des deux, c'est même YHWH, c'est-à-dire Yod et Vav. Bon, bref, je ferme la parenthèse.
Donc, ni dans l'histoire, ni dans le Nouveau Testament, ni dans les écrits postérieurs, nous ne trouvons l'indice montrant que les chrétiens portent ce nom-là. Mais nous avons des preuves abondantes qu'ils ont porté le nom de chrétiens. Car dans Actes 11, verset 26, il est écrit « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Et chrétiens, ça veut dire disciples du Christ. Les premiers disciples, mettant leur foi et leurs espérances en la personne du Christ, ont porté avec beaucoup de fierté et de joie le nom de chrétiens. Par contre, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, c'est ça qui me fait rire. Donc, on porte le nom de chrétien et normalement, par exemple, un marxiste, il va être disciple de Karl Marx, de Marx, et il va tout faire comme Karl Marx. Donc, normalement, un chrétien, il devrait être un disciple du Christ et il devrait faire tout comme le Christ. Et on fait une différence entre les chrétiens et les juifs, mais je m'excuse, Jésus-Christ était juif, quoi. Ça, on a tendance à l'oublier. Donc, tous les chrétiens qui rejettent le... C'est bien ce que tu dis, parce que la dernière fois, quand vous avez fait votre réunion, ouais. Vous aviez, je ne sais pas, quelqu'un de ton groupe, là, il disait que Jésus n'a jamais parlé hébreu. Tu vois? Donc, alors, c'est faux. Oui, pour moi, il savait parler l'hébreu, l'araméen, et le grec aussi, vu que... Ben oui, il était hébreu, donc il était... Puis c'est la langue, quand tu vois, dans les pays hébreux, c'est toujours... Ben oui, en plus, la première langue avant que Dieu confonde le langage, c'était l'hébreu, ou le paléo-hébreu, comme on appelle. Oui, parce que quand... Bon, j'ai pas voulu intervenir, tu vois, je me suis dit, bon... Mais ouais, moi aussi, ça m'a tiqué, puis je me suis dit, je ne sais pas, ouais, t'as raison, c'était un peu... Bon. Comme il y en a qui disent que le Dernier Testament, il aurait été écrit en... Il y en a qui disent qu'il aurait été écrit en hébreu, puis après traduit en grec, vu que c'était la... Comme par exemple un juif français, ben, il va parler français, il ne va pas connaître forcément l'hébreu, ses racines. Et ben là, c'est pareil, il parle du principe que les disciples du Christ... Eh ben, il parlait le grec parce que c'était la langue de l'époque, avec le latin, vu qu'ils étaient envahis par les Romains, ouais. Avec le latin qui commençait. Donc, il savait à peu près parler ces deux langues, mais je suis quasiment sûr qu'il parlait hébreu. Et puis, Matthieu, qui est destiné à un public juif, les juifs de la diaspora, c'est-à-dire qui venaient de toutes les nations, ils avaient quoi comme langue en commun? L'hébreu. Et puis, tu vois l'apôtre Paul, hein, quand il dit... Quand l'autre César, lui demande, moi j'ai dû payer pour être hébreu, tu vois. Ouais, ben bah oui. Ben oui, ça me fait rire. Donc quand les chrétiens ils disent ah ben on n'est pas juif, nous le sabbat chrétien c'est le dimanche. Pourtant Jésus il allait le sabbat à la synagogue. Et puis il y en a qui vont dire comme excuse, bon c'est vrai que c'est pas la leçon d'aujourd'hui. Ah oui mais. Donc, il y en a un qui m'a dit hier ou avant-hier comme excuse, « Ah bon, ben si Jésus, il allait tous les sabbats à la synagogue, ben il ne faudrait pas aller à l'église, il faudrait aller à la synagogue. » Il dit « Mais pourquoi on ne va pas à la synagogue ?» Parce qu'il rejette Jésus. Après, il faut être intelligent. Tu sais qu'il y a une église chrétienne ouverte le sabbat, comme ben, tu vas aller à l'église chrétienne au lieu d'aller à la synagogue qui rejette Jésus. Bien, après, il faut réfléchir un peu, mais bon, bref. Et chrétien et juif, normalement, c'est pareil, hein, mais bon, enfin, sans commentaire. Donc, les premiers disciples, mettant leur foi et leurs espérances en la personne du Christ, ont porté avec beaucoup de fierté et de joie le nom de chrétien, tandis que nous, malheureusement, maintenant, enfin bref, ils ont ainsi glorifié Jésus-Christ et Dieu, voir 1 Pierre 4, verset 16. Alors, 1 Pierre 4, 16. Et après, je prendrai des photos de ce petit livret et je l'enverrai dans les groupes. Ouais. Alors, 1 Pierre 4, 16, c'est après Jacques qui est après Hébreu. Alors, 1 Pierre 4, hop, voilà. Ouais, alors, je vais lire à partir du verset 13, non, 12. « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » Évidemment. Le verset 14, « Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. » Amen. Ça, c'est énorme. C'est Jacques Comet, t'as dit?
Donc, c'est 1 Pierre 4, 14. Ah, c'est 1 Pierre 4. Ah oui, et le verset 16, pardon. Là, le 14, déjà, il est costaud. Donc, le verset 15, « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou larron ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Et le verset 16, « Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. » Donc, c'est le verset 14 et 16 qui est vraiment important. « Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. » Et le verset 16, « Mais s'il souffre comme chrétien, donc comme disciple du Christ, comme ami du Christ, comme suiveur, imitateur et refléteur du Christ, c'est moi qui rajoute exprès pour bien appuyer, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Donc, on doit vraiment porter son nom. Mais bon. Et d'ailleurs, à l'époque du Dernier Testament, le témoignage doit concerner exclusivement l'œuvre et la personne du Christ. En reprenant en quelque sorte les paroles d'Ésaïe 43, verset 10, Jésus-Christ déclare à ses disciples, c'est dans Actes 1, 8, mais voire aussi Apocalypse 2, 13 et 17, 6 qu'on va lire, « Vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, que souvent je l'actualise et que je dis dans chacune de nos villes, en France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ah, il est parti, Tito. Alors, et Apocalypse 2, verset 13, ouais, c'est qu'il ne devait pas pouvoir rester. Apocalypse 2, verset 13. Heureusement qu'il est là pour ouvrir le Zoom, parce que je ne sais pas l'ouvrir, moi. Il m'avait donné les codes, mais... Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Ouais, c'est assez costaud. Hein. Et Apocalypse 17, 6. Hop. Alors, Apocalypse 17, 6. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande fureur. Ben, pourquoi il met 17, 6? Ça. Ah oui, c'est « Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Ah. » C'est-à-dire qu'il faut vite… ok, une étude éclair. « Je fus saisi d'une grande stupeur. » Ouais, non, bon, l'autre, c'est pas 17-6. Ils ont dû se tromper. Bon, alors, quand il dit… ok. Vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc oui, être ses témoins, et si on est de mauvais témoins, ben, c'est pas ouf. Mais sinon, je me mets à parler comme les jeunes. Et il faut souligner que dans le Nouveau Testament, les disciples annoncent en toutes circonstances le nom de Jésus-Christ. Ils proclament que le salut et le pardon se trouvent dans le nom et dans la personne du Christ Jésus. Ils font tout pour que le nom de Jésus soit connu et glorifié sur toute la terre. Et c'est à cause de son nom qu'ils sont torturés, persécutés et haïs dans ce monde. Bon, après, il y a plein de versets. Il y a Acte 1, verset 8. Il y a Acte 5, 40 à 41. 1 Pierre 4, 14 à 16. Matthieu 10, 22. Matthieu 24, 9. Mais par ce nom, les disciples accomplissent de grands miracles, des merveilles. Il est invoqué et glorifié par tous les chrétiens. Mais bon, comme on a vu, je ne sais pas si on l'a vu, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des dieux, mais ceux qui font sa volonté. Ouais. Et quand ils disent dans Matthieu 7, 21-23, Jésus leur dit « Je ne Seigneur, Seigneur », puis il dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et la version Chouraki dit « Vous qui êtes fauteurs de non-Torah ». Donc, c'est-à-dire qui ne pratiquaient pas la Torah, qui ne pratiquaient pas la loi. Donc, quand les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent que la loi est abolie, Non, la loi, elle est toujours là. Hein. Bah oui. Et Romains 3, 31, l'apôtre Paul, il dit bien, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, bien au contraire, nous confirmons, nous établissons la loi. Donc, la foi, elle confirme, elle établit la loi. Jésus n'a jamais dit qu'il a aboli la loi. Bah oui, et en conclusion pour ça, mais après, ça, c'est la conclusion de ce livre, mais moi, je vais continuer un peu. Mais du coup, Vincent, il a mis, ça ne va pas pouvoir enregistrer jusqu'à la fin, je n'ai pas compris.
Ah ouais, parce que là où il est, il n'a pas le courant, je pense. Mais ça va faire en plusieurs parties, celle-là. Enfin, bref. Bon, en conclusion, effectivement, Dieu a un nom. C'est Yod et Vavé, YHWH. Même si nous ne savons pas le prononcer exactement, il est quand même important de connaître le nom de notre Créateur. Bien sûr, nous avons tout à fait la liberté de l'utiliser comme Yahweh, Yahuwah ou toute autre prononciation, sans tomber dans l'extrémisme comme le font les témoins de Jéhovah. Et d'abord, ça ne devrait pas être Jéhovah, ça devrait être Yéhovah, vu qu'ils l'ont. Donc, vous imaginez, non seulement ils ont pris le tétragramme, ils ont pris les voyelles de Adonai ou d'Elohim. Ouais, c'est ça. Mais non, Adonai, ils ont pris. Mais ils le prononcent au latin. Alors que latin, c'est l'Église catholique romaine, donc il faut savoir où ils ont mal. Ils mélangent, c'est comme si vous parliez franglais, quoi, moitié français, moitié anglais, ou tu parles ou français ou anglais, mais pas franglais. Et là, ben, c'est pour ça que Jéhovah, c'est pas ça, quoi. Ouais. Mais bon, bref. Non, mais j'aime bien, c'est bien dit, franglais. Ou espacé, un moitié mélange d'espagnol et de français, ou frangnol. Notre Créateur est tellement grand et infini que nous pouvons nous adresser à lui aussi par d'autres appellations, comme la Bible le fait déjà, Dieu, Seigneur, l'Éternel, Souverain, Très-Haut, Père Céleste, etc., Abba, là, ce mot qui rajoute, hein, qui signifie mon papa céleste, je pense, seulement, ouais. Etc. Par contre, nous n'avons pas besoin d'un nom exclusif pour que Dieu soit plus réel, comme certains fabriquent des images afin de mieux imaginer Dieu dans leur prière et adoration, malheureusement. 1 Corinthiens 5, je vais voir avec vous. Par contre, ce qui est... je tombe pile dessus, trop fort. 1 Corinthiens 5, 7, « Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Ouais. Mais bon. Alors oui, comme quoi il ne faut pas être idolâtre et il ne faut pas se fabriquer des images, donc il ne faut pas se fabriquer un nom, il ne faut pas persister sur ce nom comme font les témoins de Jéhovah, quoi. Et l'essentiel, c'est de savoir à qui nous nous adressons et avec quel esprit. Jean 4, verset 24, oui, celui-là, je connais presque par cœur, mais je ne veux pas paraphraser. Mais je tombe pile dessus aussi, j'hallucine. Alors, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin, il est la vérité et la vie, il ne vient au Père que par moi. » Et quand il dit « Dieu est esprit » au verset 24, donc c'est comme s'il disait « Et il faut qu'on l'adore en esprit, donc en Dieu, donc en le Père et en vérité et donc en Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. » Mais bon. Et par conséquent, l'utilisation du nom divin pour lui n'est pas une condition de salut. Un signe distinctif du vrai christianisme ou de l'adoration, on ne peut pas déclarer apostat ou faux chrétien ceux qui ne le portent pas ou ne l'utilisent pas. On ne peut pas accuser d'outrager Dieu ceux qui ne le choisissent pas dans leur traduction, étant donné que le Nouveau Testament ne le contient pas. Sinon, il faudrait en déduire que les rédacteurs du Nouveau Testament, Jésus-Christ, ainsi que ses disciples et les premiers chrétiens sont tous apostats, faux chrétiens, puisqu'ils n'ont pas employé ce nom à la manière des témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas dit Yahweh ou Yahuwah, mais ils disaient ou Elohim, ou Adonai, ou Abba Père. Mais bon, mais après, pourquoi je disais, comme j'avais vu un peu le... Comment dire ? Comme on avait vu les parties précédentes, c'est comment dire ? C'est pour montrer une... Ah, je cherche le mot. Une proximité avec Dieu. Comme votre père, ceux qui ont encore leur père, vous allez l'appeler papa au lieu de l'appeler par votre prénom, même si vous connaissez son prénom, ben, c'est pareil pour Dieu. Mmh. Et puis en plus, vu que Jésus, il glorifie en son nom, on glorifie le Père, et comme Jésus n'est pas... Ça encore, c'est un autre débat. Comme Jésus, il n'a pas tout à fait le même nom que le Père, et qu'il est Dieu aussi. Enfin, c'est compliqué si on n'appelait que Yod et Vavé, YHWH. Si on veut appeler Jésus ou un autre, donc en disant Abba Père, ben on les inclut tous les deux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et attendez, et je voulais juste voir aussi avec vous, est-ce que tu crois que ça peut tenir, Vincent, l'enregistrement? Parce que je n'ai pas fini. Alors, aussi, il y a un autre petit truc, parce que c'est dommage, sinon, il faudra faire une autre pour finir. Alors, sur le non inscrit, la dernière fois, lundi, j'ai parlé non NOM. Ou. Ah, ok. Merci. Et ou N-O-N, c'est-à-dire le nom de Dieu inscrit sur nous, ou sinon non inscrit dans le livre de vie. Et j'en ai pas parlé, mais des fois, je ne sais pas vous, mais quand je me promène dans la rue ou en voiture ou à pied, en allant à mon église pour une réunion de prière, il y a quelques mois de ça en arrière, j'ai pensé à un truc. Des fois, je regarde des choses et Dieu me fait penser à une parabole, mais des temps modernes. J'ai vu comme un agent de sécurité avec un nom à rallonge écrit sur son torse et derrière. Sur son torse, c'était écrit tout allongé, par exemple, agent de sécurité, je ne sais pas quoi. Et devant, c'était le sigle AS, c'est-à-dire agent de sécurité, V, je ne sais pas quoi. Et puis, Dieu m'a fait penser à un truc. Puis après, une fois arrivé chez moi, j'ai tout noté. Donc, ça me fait penser à... 3-4 situations. La première, si le nom est trop long, ben là, en regardant son nom, en essayant de voir tout le nom, on risque un accident en voiture, si on regarde en voiture, comme je vous dis. S'il est trop court, ben on ne comprend rien. Si tu vois A, S, V, D, G, E, M, tu dis, ah tiens, on ne comprend pas. Okay. Et le deuxième, s'il n'y a rien d'inscrit, à qui appartenons-nous? Après, ça m'a fait penser. Donc, comme nous, Si nous sommes chrétiens, mais que nous disons pas que nous sommes chrétiens, ben on ne sait pas à qui on appartient. Alors que si je dis je suis chrétien, ben on sait qu'on appartient à Christ, qu'on est disciple du Christ avec le nom que nous portons. Mais si on le porte mal, si on juge, si on critique, si on s'énerve au quart de tour, si on est haineux et qu'on a de la haine en nous, de la colère, de la rancœur, de la rancune au lieu de l'amour. Bon, après, il faut demander à Dieu de nous changer, mais rien n'est impossible à Dieu, il change petit à petit. Mais vous voyez, on blasphème son nom et c'est pas ouf, comme disent les jeunes. Je vais vous reprendre Ézéchiel. Ézéchiel 36. Alors, Ézéchiel 36. Hop. Alors, à partir du verset 16, la parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes, fils de l'homme. Ceux de la maison d'Israël qui habitaient leur pays l'ont souillé par leur conduite et leur action. C'est ce qu'on fait malheureusement, nous aussi chrétiens, on fait même pire. Leur voix est devenue devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Et j'ai répandu sur eux l'ardeur de ma colère à cause du sang qu'ils ont répandu sur le pays et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. Je les ai dispersés parmi les nations. Il ne faut pas croire qu'on est mieux que les Juifs, hein. On est même pire. Ils ont été répandus en divers pays. On est même pire parce qu'on dit que ces commandements, ils ont été changés ou on veut les modifier. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Qu'il ne faut rien enlever, rien ajouter à la parole de Dieu et ni changer, ni tordre le sens. C'est Eric, de ce que tu avais dit tout à l'heure, tu vois, par rapport au fait que, quand on dit on porte le nom de Christ, mais derrière ça, c'est comme si on fait telle et telle chose, tu vois, bah, on le porte mal. Ça fait penser à tout à l'heure, tu vois, avec ma mère notamment. Pour te dire, on s'était fortement disputé, mais vraiment fortement beaucoup. Ouais. Parce que normalement, tu vois, elle me demande de ranger ci, de ranger ça, etc. Sauf qu'en fait, moi, j'ai d'autres priorités que ranger, en fait, ce qu'elle veut que je range. Tu vois. Ouais. Et du coup, ça a mené, tu vois, une énorme tension. Hein. Et j'étais parti, en fait, dans ma chambre, à travailler, quoi. J'étais parti travailler dans ma chambre, justement, pour décompresser. Ouais. Et je suis redescendu et en fait j'avais envie de m'excuser tu vois, envers elle, mais intérieurement tu vois il y avait tu vois le côté en fait où t'avais pas envie tu vois. Ouais. Et au moment où en fait j'allais me forcer tu vois m'excuser, en fait elle s'était excusée tu vois. Ouais, ouais. Et elle avait dit ouais je suis désolé, j'aurais pas dû, etc., t'as raison. Et puis tu vois elle voulait vraiment en fait remettre le lien en place et elle m'avait dit tu vois je t'aime mon fils tu vois. Même si c'est pas facile, dis je t'aime. Ouais. Ah bah c'est bien. Et toi, après, tu t'es excusé à ton tour, non? Bah oui, c'est ça, je me suis excusé à mon tour, et puis après, je l'ai pris dans les bras, tu vois. Je l'ai pris dans les bras. Ah bah c'est cool, amen, gloire à Dieu. Donc, ouais, c'est un exemple, c'est. Il arrive sur des trucs où, en fait, on a. Comment dire
où tu peux avoir des situations très tendues, bah même ça, Dieu va agir en fait pour Ah bah oui. les réparer d'une manière, mais c'est incroyable parce que ma mère à l'époque, mais ça c'était inconcevable. Tu Trop m'étonnes, de mais tu choses. vois que Dieu agit, mais il change, hein. Il y a deux, jusqu'à il y a 2 ou 3 semaines en arrière, quand on parlait de que la loi n'était plus valable, tu es témoin, Vincent, vu que toi tu me connais plus que les autres, vu que tu es plus souvent avec moi, là, ou sur Discord, ou WhatsApp, ou Zoom, enfin partout. Eh ben, tu voyais que je m'énervais au quart de tour quand on dénigrait la loi. Là, Ouais, ça bah là m'énerve. maintenant c'est l'inverse, en fait c'est moi qui m'énerve et toi non. Parce Ouais, que toi moi avant après je tu m'énervais pas, mais maintenant viens. non, c'est l'inverse. Bah ouais. Ouais, mais ça viendra après. Et donc, pour en revenir, le troisième point, ça m'a fait penser, mais merci, ouais, pour cet éclairage. Mais tu vois, Dieu agit et il va continuer d'agir, hein, Philippiens 6. Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette C'est bonne œuvre, un la le rendra rendra parfaite le parfaite jour du pour le salut. jour de Jésus-Christ. Ouais. Et pour vous dire, et la troisième chose qui m'est venue, donc le nom comme chrétien, donc ça veut dire disciple du Christ, et son nom, c'est porter son sceau. Le sceau, son amour, c'est comment dire? J'écris tellement petit que j'arrive même plus. À te relire. Et que c'est serviteur, on est serviteur, et le nom, c'est le signe, le sceau, la marque. Et donc, ça dépend, si on porte le nom de Dieu, ben on a le et qu'on est des vrais serviteurs, ben on a le sceau, la marque de Dieu. Mais si on porte le nom de la bête, ben on est sous sa marque, quoi. Et là, c'est pas ouf. Et on est forcément esclave, mais c'est ou esclave de la haine avec esclave du diable et de la souffrance, de la haine et de la souffrance, ou esclave de l'amour. Mais bon, esclave de l'amour, c'est pas de l'esclavage, quoi. Mais on est forcément, on doit choisir notre maître ou Dieu ou Mammon. Et puis tu as amour et amour, ça dépend. Ouais. Bon, et après le sceau par amour, et après ça dépend si on fait avec sa action ou sans action. C'est vrai qu'un chrétien qui n'agit pas, bon, s'il agit mal, ça, je veux dire, on trompe le nom de Dieu, enfin on trompe, c'est-à-dire on blasphème le nom de Dieu si on agit mal. Mais si on n'agit pas du tout, est-ce qu'on ne trompe pas le nom de Dieu aussi? Vous allez me dire, on ne le blasphème pas, mais on ne le porte pas au nom des païens, et ça, on est censé le faire. On est censé porter l'amour de Dieu, on est censé le faire connaître. Surtout Au les monde. gens, ils ont tendance à regarder par rapport à ce que tu fais. Tu vois, ils ont les yeux. On a l'impression qu'on n'est pas, Ah que bah les gens oui, ne nous et surveillent pas, pour... mais les gens te Ah surveillent, bah non? oui, tu as raison. Et pour en revenir, je vais venir, bon bah la dernière fois, j'avais parlé parce que vous allez me dire, mais ça c'était surtout valable pour le Premier Testament. Mais le Premier Testament, il disait, attendez, je vais y venir, donc Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et il y est dans une haute retraite. Et puis, donc, on pouvait dire aux Juifs, mais comment se réfugier dans son nom si on n'a pas le droit de le prononcer? Parce que c'est vrai que les Juifs disaient, on n'a pas le droit de le prononcer. Et à force, il s'est perdu. Et comme je vous disais, il n'y a qu'une version, mais je ne l'ai pas trouvée dans la Sefer, je ne sais pas où on l'a trouvée, où il dit justement le troisième commandement, tu ne réduiras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à néant. Mais ça, il n'y a qu'une version qui le dit sur plus de 30. Sinon, il y a beaucoup de versions comme l'Austerwald qui vont dire tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, par exemple, quand les États-Unis font jurer sur la Bible à chaque fois que quelqu'un doit passe au tribunal ou à chaque fois que le président y prend ses fonctions, eh ben, c'est pas ouf du tout. On ne doit pas jurer par son nom. Et on va voir avec d'autres versets. L'interlinéaire. Dieu nous demande aussi, hein. Ah bah oui, ouais, t'as raison. L'interlinéaire hébreu-français va dire tu n'élèveras pas le nom Yod et Vav-Hé, ton Dieu, pour la tromperie. Et puis, etc., etc. La Bible du rabbinat français, où il n'y a que le Premier Testament, tu n'invoqueras point le nom Yod et Vav-Hé, c'est YHWH, à l'appui du mensonge, car celui qui invoque son nom pour le mensonge, ben, il ne portera pas impuni. Ensuite, la Chouraki, elle dit, tu ne porteras pas le nom de Adonai. Lui, il dit IHVH, mais il traduit par Adonai, ton Elohim en vain. Et la Bible juive complète, elle dit, tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère. Et je pense que toutes ces traductions sont vraies. Mais bon,
il faut connaître son nom, mais de là le prononcer comme on a perdu la prononciation. Et pourquoi on a perdu la prononciation? Parce que, comme je vous disais, d'une part, parce que Dieu, il ne voulait pas qu'on arrête de prendre son nom en vain. Par exemple, quand on dit nom de et puis D-I-E-U, ben, c'est pas ouf. Quand on jure en son nom, même si on veut tenir nos promesses, eh ben, faut pas jurer. Et pourtant, l'apôtre Pierre a juré. Je jure que je ne connais pas cet homme. Ben oui, mais après, bon, ben, Dieu est amour et il l'a pardonné. Mais D'ailleurs, tu disais par rapport à ça, tu vois que fallait pas l'homme ne devait pas jurer, etc. Moi, je voulais te poser une question. Parce que tu sais que mon passage préféré maintenant, c'est Ésaïe 45, 23. J'ai juré par moi-même et de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne sera point révoquée. C'est que tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Et par rapport à ça, je me demande, est-ce que dans d'autres traductions, il n'y aurait pas une version différente? Parce que là, il dit clairement qu'en fait, on a juré par lui, en fait. Ouais, mais quand il dit jurer, c'est pas jurer. Faudrait regarder la Strong, mais c'est pas le mot jurer dans le sens comme jurer. C'est dans le sens tout le monde jurera par moi. C'est-à-dire. Dans la définition de jurer, tu as plusieurs sens. Tu as juré, ben, tu jures, je jure sur le nom d'eux. Et puis tu as juré, tiens, je jure que par lui, c'est-à-dire je n'ai Dieu que pour lui. Tu vois le sens? Enfin, c'est dans ce sens-là. Toute langue jurera que par Dieu, c'est-à-dire toute langue verra que Dieu, prononcera que Dieu. C'est-à-dire on dira la gloire de Dieu, tu vois. Le mot qui est utilisé du coup dans le Strong, c'est Shabbat. Shabbat. Shabbat, ah bon? Shabbat, plutôt, ça se dit. Ouais. Voilà, je ne sais pas si je dis bien. Qui veut dire jurer, adjurer, assermenter, jurer, faire un vœu, jurer de l'Éternel par lui-même, maudire, faire jurer et adjurer encore. Voilà. Mais c'est le côté négatif. Ouais, mais adjurer, tu vois, adjurer, c'est pas tout à fait comme jurer, mais bon, là, faudrait que je regarde les autres. Ouais, du coup, là, ce serait plus en fait, dans un jurer, c'est le reconnaître, mais dans le sens, c'est une reconnaissance en fait qu'il n'y a pas d'équivalent, quoi. Ouais, que le porter auprès des nations, c'est-à-dire parler que de lui. Je jure que devant Dieu, c'est pas dans le sens, tiens, je jure que au nom de Dieu. C'est-à-dire, je voue ma vie, que je respire Dieu, je vis Dieu, je vis pour Dieu. Je jure que par lui. Quand on dit, ah, je jure que par lui, c'est pas le sens, tiens, je jure, tiens, au nom de, je te jure, c'est dans ce sens-là, quoi. Et c'est vrai qu'en français, ben, on n'arrive pas à trouver. Je suis sûr que l'équivalent en hébreu, c'est beaucoup mieux, mais c'est dommage qu'on soit français, mais bon, bref. Non, on ne dit pas ça. Non, mais la langue, elle est plus riche. Et juste, attendez, je vais y voir psaume 18, alors versets 2 à 4, où il dit, est-ce que j'ai du temps? Tu me dis si quand c'est presque la batterie. Donc, psaume 18, versets 2 à 4, il dit donc, je t'aimerai, ô Éternel, qui est ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me délivre, ma haute retraite, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est vraiment, tu vois, comme là, c'est loué, c'est... Ouais, donc ok. Merci. Psaume 61, parce que je vais essayer pas tous les voir, mais surtout les psaumes 61, parce que j'aurais aimé finir aujourd'hui, plutôt que c'est dommage s'il n'y a plus de batterie alors qu'il ne reste plus grand-chose. Ouais, psaume 61 okay. Psaume 61, le verset 4 à 6, qui dit « Car tu as été mon refuge, ma forte tour devant l'ennemi, je séjournerai dans la tente à jamais, je me retirerai sous l'abri de tes ailes. Car tu as, ô Dieu, exaucé mes vœux, tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Amen. Et craindre dans la Bible, ça veut dire respecter, aimer, honorer. J'ai fait exprès une pause parce que Adonai. Ouais, ok. Tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ouais, et juste pour vous dire aussi, je voulais voir avec vous. Alors, 2 Samuel 22, 50. Pourquoi j'ai mis 2 Samuel 22, 50? On va le savoir tout de suite. Des fois, j'ai des versets, je note. Et puis là, je suis en train de le voir avec vous, 2 Samuel 22, 50. Des fois, il y a des versets qui me viennent en tête, mais d'accord, ok, je comprends pourquoi je l'ai mis. C'est,
C'est pourquoi, ô Éternel, je te louerai parmi les nations et je chanterai ton nom. Voilà. Ouais. Ok, je comprends. Et psaume 18:50. Hein, de quoi tu disais, Niki ? Je vais trop vite ? Non. Psaume 18:50, c'est pourquoi je te louerai, ô Éternel, parmi les nations et je chanterai à ton nom. C'est un peu la même chose, mais bon. C'est lui qui délivre magnifiquement son roi, qui fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité à jamais. Donc pour toujours. Hein, c'est clair que. Et Romains 15, voyez, Romains 15, versets 9 à 13. Je vais vous lire Romains 15, versets 9 à 13. Mais il y a juré, mais de toute façon, on va y venir. Comme quoi, l'être humain, il est incapable de faire comme il faut. Donc, Jésus, il a réalisé les 10 commandements, mais à la lettre. Et l'être humain, il n'est même pas fichu d'en observer un seul. Mais si au moins on veut, parce qu'il est, il les dénature tous et il les modifie tous. Parce que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, ou tu ne l'élèveras pas en vain pour la tromperie, ou tu n'invoqueras pas à l'appui du mensonge, ou tu ne porteras pas le nom en vain, ou tu n'useras pas à la légère, où tu ne réduiras pas son nom à néant, ben ça, malheureusement, on l'a tous un peu fait, ou par nos comportements, par nos paroles et partout. Ouais, le fait à ses lettres, c'est clair. Regardez Romains 15, verset 9. Alors, à partir du verset 9 jusqu'au 13. Et afin que les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, les païens, glorifie Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pour cela que je te louerai parmi les gentils et que je chanterai à ton nom. Il est dit encore, gentils, réjouissez-vous avec son peuple. Donc, voyez, gentils, réjouissez-vous avec son peuple. Quand les chrétiens vont dire, ah, je vais me séparer des juifs, ben, là, c'est marqué quoi ? Réjouissez-vous avec son peuple. Donc, ça veut dire, réjouissez-vous avec les juifs. Mais on veut se démarquer des juifs. Et on veut adorer. Après, il ne faut pas dire que ce soit nous qui nous démarquons. Parce que des fois, les Juifs, ils ne veulent pas de toi. Quoi. Oui, c'est clair, mais bon. Voilà, on ne peut pas forcer les gens à aller. Oui. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même manière de faire le sabbat. Ah, bah oui, c'est clair. Mais quand tu dis joyeux sabbat, eh ben, certains chrétiens, on te dira joyeux sabbat à tous les Juifs folâtres. Et puis, ils vont te dire. Bon dimanche à l'avance à tous les vrais chrétiens authentiques. Ça, oui, mais bon, ouais. Je sais pas, mais moi je vois que j'avais une belle fille qui était israélite. Ouais. Ben, quand je faisais le sabbat, moi j'ai vu avec ses parents, ils te mettent un truc, ils mettent leur petit chapeau, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, et ils te font les prières et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et après, ils ont terminé, et ben, ils vont faire leur repas, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont... Ah bon ? Ah ouais, c'est comme ça. D'accord. Ouais, c'est comme ça qu'elle faisait, donc... Ouais. Voilà, ça, normalement, le sabbat, c'est du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil. Oui. Hein, mais bon. L'après-midi, une fois qu'ils avaient fini, l'après-midi, la fille, elle faisait à manger, elle regardait la télé, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas obligé, chacun fait comme il veut, tu vois. Ouais. Mais normalement, bon, après, les vrais juifs orthodoxes, eux, ils vont essayer de faire à la lettre, quoi. Mais bon. Alors, le verset 11, et encore, nation, louez toutes le Seigneur, et peuple, célébrez-le tous. Esaïe dit, et donc, vous voyez, c'est pas que pour les juifs, Esaïe dit aussi, Jessé aura un rejeton qui se lèvera pour gouverner les gentils, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, les gentils espéreront en lui. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est clair que... Bon ben, c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ouais, il y a le psaume 117, attendez, psaume 117, verset 1. Psaume 117, pour verset moi, 1. Je... En plus, par rapport au texte que tu as lu, c'est quand même une joie. Une joie de voir que tu as la paix en toi, tu as cette foi que Dieu te donne, qui te permet d'avancer, qui te permet d'être dans cette espérance que Dieu voudrait pour nous, tu vois. Donc, bah oui, ouais. C'est très compliqué pour l'être humain. Si vraiment l'Esprit de Dieu n'est pas là, bah, on est à côté d'un plat, quoi. Tu vois, ouais, on est vraiment, C'est clair, c'est clair.
Oui, par exemple, tu vois, psaume 117, verset 1, qui dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. » Donc, ce n'est pas que les Juifs, hein, car sa bonté est grande envers nous et la fidélité de l'Éternel demeura toujours. Louez l'Éternel. Et voyez, comme je disais aussi l'autre fois, je regarde ici, c'est bon. Comme je disais, ben, si on prend son nom pris faussement par nos mauvaises actions et nos mauvaises pensées ou nos mauvaises paroles, eh ben, on blasphème son nom. Donc, quand il dit « Toutes ces versions, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », enfin, je vais vous relire la version Osterwald, mais entière, ce coup-ci. Quand il dit « Bon, ben, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas l'élever pour tromper, c'est-à-dire, il ne faut pas jurer faussement. Il y en a qui vont dire « Vaut mieux pas jurer du tout », ce qui n'est pas faux, vaut mieux ça que l'inverse. Et le rabbinat va dire « Tu n'invoqueras point le nom à l'appui du mensonge », donc pour tromper, pour mentir, surtout pas. Shouraki va dire « Tu ne porteras pas, donc tu n'élèveras pas le nom de Adonai ton Elohim en vain ». Et la Bible juive complète, « Tu n'useras pas du nom d'Adonai ton Dieu à la légère ». Donc à la légère, ça veut dire… et voyez, les Juifs, à l'inverse, eh ben, tellement ils ont voulu faire le contraire qu'ils ne le prononçaient plus du tout pour être sûr de ne pas le blasphémer, quoi. Mais bon, ils pensaient bien faire. Et donc, ils ont réduit son nom à néant. Mais bon, heureusement que le tétragramme ne s'est pas perdu, mais c'est la prononciation qui s'est perdue. Mais après, comme je vous ai dit, Dieu, il veut une proximité et il veut surtout que, ben, qu'on l'appelle Abba Père. C'est pour ça que Jésus, il dit « Notre Père qui est aux cieux », vous remarquerez, il ne dit pas « Yahweh » ou « Yahweh », mais il ne dit pas « YHWH », mais il dit « Abba Père ». Mais tu vois, Eric, tu vois, finalement, on lit la parole de Dieu, mais il y a quand même pas mal de choses. Bon, après, le français, je ne sais pas, par rapport à l'hébreu, tout ça et tout. Bon, quand la parole de Dieu te dit qu'il faut appeler personne père, tu vois, donc ça veut dire que comment on doit appeler notre père? Et Jésus lui-même, il a dit « Père, père, tu m'as abandonné ». Ouais. Donc, mon Dieu, il dit. Élie, Élie, là-bas, ça va s'allier. Ça veut dire, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais te dire, si tu as oublié. Ah, c'est parti. Ah, excuse-moi. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Bon, peut-être ça reviendra. Est-ce que, oui, je regarde. Et tu me dis, Vincent, hein, pour la batterie. Mais donc, j'essaye d'avancer le plus possible pour qu'on ait fini. Mais donc, pour en revenir, donc le nom pris faussement, ça, on l'a vu. Donc, on ne doit pas prendre son nom à la légère, c'est-à-dire on ne doit pas jurer sur la Bible, comme par exemple les États-Unis font, ils jurent sur tout. Donc, d'un côté, on va dire ah ben, c'est mieux que les Français, parce que les Français, on ne croit pas en Dieu. Mais c'est mieux, oui et non, hein, parce que jurer alors qu'on ne doit pas jurer, mais bon, on va y venir. Et j'aimerais prendre avec vous, avant de continuer, c'est le psaume 119, versets 160 et 161. Où il est écrit « Le fondement de ta parole est la vérité », sachant que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. « Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Éternelles, ça veut dire ni début ni fin. Il faudrait bien l'encadrer et l'écrire chez les chrétiens. Et je dis, qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans éternel ? Ni début ni fin. Bon, quand il y en a qui disent que la loi est finie, toutes les lois sont éternelles de ta justice. Mais bon, bref, et les fondements de ta parole et la vérité, donc c'est comme s'il disait le fondement de ta parole est Jésus, vu que Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Les grands m'ont persécuté sans cause, mais mon cœur n'a craint que tes paroles. Comme quoi, il faut vraiment qu'on s'accroche aux paroles de Dieu, quoi. Et même si on est anathème, même si on est qu'une petite minorité, mais il faut vraiment qu'on reste accroché à Dieu. Et pour en revenir à ce que tu disais, dans Matthieu 23, 9, quand il écrit, regardez comme l'ennemi, il est rusé. Matthieu 23, 9, normalement, avec ce verset, plus personne devrait être catholique ou plus personne devrait appeler le pape le pape. Alors, 23, 9, je me disais aussi, j'étais à 24, 9, je dis, mais ce n'est pas du tout ce verset. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Là, quand Jésus dit ça, il parle pour les chefs spirituels, ils ne parlent pas pour notre père, ou notre père, on va l'appeler papa. C'est normal.
Donc, il va faire la distinction. Oui, ça entre... aussi, oh my God, ben, c'est pas ouf. On ne doit pas prendre le nom en vain. Là, c'est prendre son nom en vain. Vous allez voir, ben, sans le savoir, on transgresse plein de, ah oui. Plein de commandements. J'ai retrouvé. Par exemple, tu vois, quand on dit ouais. pasteur, il dit, n'appelez personne pasteur. Et moi, je ne sais pas, ça me gêne lorsque je suis dans les groupes et j'entends pasteur, pasteur. Moi, je n'ai pas l'habitude, hein, tu vois. Nos pasteurs, enfin, les pasteurs chez nous, on les appelle par leur prénom. Bah, moi aussi, mon pasteur, je l'appelle frère. Stéphane. Moi, oui, j'appelle mon frère. Passe. Tu vois, quand je ne les connais pas, j'appelle frère. Mais je n'aime pas ce mot pasteur, tu vois. Oui, tu as raison. Et tu vois, suivant certaines versions, ouais, tu as raison. Il y en a qui vont dire directeur, il y en a qui vont dire docteur, il y en a qui vont dire conducteur, suivant les versions. Moi, la Osterwald, elle dit, il ne faut point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Ben il y en oui, a qui dit... Voilà, donc tu appelles, je ne sais pas moi, le médecin. Mais bon, vaut mieux... Moi, je dis monsieur vois... avec son nom, derrière. Mais jamais j'ai appelé quelqu'un docteur. Non, bon, déjà, mon médecin, je l'appelle par son prénom. Ouais. Je dis monsieur, tu vois, par respect. Mais sinon, je n'appelle personne. Mais après, pasteur, ben, si jamais j'avais fait des études pour devenir pasteur et que j'étais devenu pasteur... Ben, j'aurais dit appelez-moi Eric ou frère Eric, mais c'est vrai oui. qu'après, si on dit ben, Eric, il est pasteur de telle église, ben, tu es obligé de dire pasteur, mais pasteur, c'est beaucoup mieux que si on disait il est père de telle église, ou il est prêtre, ou il est curé oui, de telle sûr. Église. Ah, ben, ça, oui, par contre, c'est... Et vous imaginez, le pape, ça vient de papa, ce qui veut dire père en grec, alors qu'on doit appeler personne. Donc vous imaginez, non seulement, mais imaginez à quel point Satan il est pourri. Non seulement il nous fait oublier le nom de Dieu, mais en plus, donc Dieu à la limite, pas qu'il s'en fout, mais il a laissé parce qu'il ne veut pas qu'on prenne son nom à la légère, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse des mauvaises actions en ayant son nom, ça l'aurait horripilé. Mmh. Mais en plus, il veut une proximité, il veut qu'on l'appelle, c'est comme moi, mon neveu, s'il m'appelle Eric, ça ne me plaît pas, je préfère qu'il m'appelle Tonton. Mmh. Et vos enfants, ben, vous préférez qu'ils vous appellent papa ou maman plutôt que Niki ou Vincent quand on aura. Mais s'ils t'appellent Vincent, tu vas dire papa, s'il te plaît, je suis ton père. Tu vois, c'est parce qu'on veut la proximité avec nous. Ouais. Il veut l'amour. Mais vous imaginez, non seulement il veut la proximité, mais la bête, eh ben, elle veut qu'on appelle père. Des êtres humains, des MERDES, des raclures de... Pardon. Et mais voilà, je le dis sans m'énerver. Avant, je n'arrivais pas. C'était en m'énervant que je disais ça. Mais voyez, on ne doit pas appeler... Donc, non, quand je vous dis le malin, il porte bien son nom. Le mal est malin, il est rusé. Non seulement, il veut pas nous faire appeler Dieu par père. Il veut qu'on insiste par... absolument le tétragramme, mais c'est comme si on gardait une froideur et c'est comme si on appelait notre père avec son prénom et qu'on a perdu la prononciation. Et en plus, non seulement le seul mot papa, c'est comme si vous disiez, imaginez que devant votre père terrestre, vous appeliez papa un individu. Est-ce qu'il aimerait ? C'est sûr, hein. Ouais, bon, moi perso, mes enfants, enfin mon neveu, j'aime bien qu'il m'appelle tonton plutôt que Eric, quoi. Parce que Eric, tout le monde peut m'appeler Eric, alors que, comme ta femme, si tu en as une, tu préfères qu'elle t'appelle chérie que par ton prénom, chérie ou mon amour ou n'importe quoi. Ou ma petite... Ben, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre. Non, mais bon, des fois, on préfère être appelé par notre diminutif. Ben, Dieu, bon, il préfère mari, qu'on l'appelle. Mon mari m'appelle bébé, moi, je l'appelle bébé. Oui, ben c'est joli. Et les enfants se moquent. Ben, tu les laisses. Et tes enfants, ils t'appellent maman, non ? Ben, mon aîné, il m'appelle par un petit surnom, tu vois. Et puis les autres, ils disent maman. Oui, ben oui. Oui, mais après, un surnom, mais ils ne vont pas te dire Niki, si ? Non, pas du tout. Et ça te ferait bizarre. Bon, à la limite, si j'avais des enfants et qu'ils m'appelaient Eric, bon. Ouais, mais bon, bref. Enfin, on a tous des surnoms, ça prouve qu'on affectionne ces personnes. Et vous imaginez, ben, l'homme, il veut prendre même le titre de Dieu. Donc, c'est double blasphème, quoi. Et quand je suis fâché, Eric, excuse-moi. Quand je suis fâché, je t'appelle par le prénom.
Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Mon neveu aussi, pour m'embêter ou quand il est énervé, il va m'appeler par mon prénom plutôt que tonton. Alors, imaginez Matthieu 7, verset 21, quand il dit, et jusqu'au 23, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé tes démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Et la chouraki, il va dire, vous qui êtes fauteurs de non-Torah. Donc c'est comme s'il disait, vous qui transgressez la loi, quoi. Alors quand on dit que la loi n'est plus valable. Ouais, mais vous imaginez, donc il y a ça, donc prendre son nom faussement, ben oui, jurer sur la Bible, par exemple devant les tribunaux, parce que tiens, ils font passer l'Amérique comme sainte, mais quand on jure sur la Bible, ou quand on se dit chrétien et qu'on fait n'importe quoi sous prétexte que, ah ben, un jour sauvé, toujours sauvé, sauvé, toujours sauvé, mais bon. C'est pas toujours le cas. Hein. Ouais, attends, qu'est-ce que. Mais voyez, après, il y a aussi dans le sens de Matthieu 15. Pourquoi j'ai mis Matthieu 15? Ah oui, si, je sais, ça y est. Des fois, vous imaginez, mais Dieu me met des versets en tête, puis, et c'est que après, et je n'ai pas eu le temps de les regarder, et là, parce que normalement, je ne devais pas faire ce soir, je devais faire lundi. Ah ouais, trop fort. Je comprends pourquoi il mérite. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Ouais. Ouais. Ben ouais, ça renvoie. Elle est où ma Louis second? Marc 7, On une des. revient un peu par rapport à ce que tu as dit dans Matthieu 7, hein, donc Ouais. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas, tu vois, et quand tu dis, Ouais, c'est ça, Vincent. Ouais, bah c'est oui, pas. Marc 7, 6 à 9 et verset 13. Mais dans la version Louis second, je pense qu'elle est encore plus forte. Marc 7, 6 à 9 et 13, Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Alors Marc 7, 6 à 9 et le verset 13, Jésus leur répondit, Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez la tradition de poser la main sur une Bible pour dire je le jure. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il y en a, ils vont dire, oui, mais c'était écrit pour les pharisiens, mais est-ce qu'on ne fait pas ça? Est-ce qu'on ne fait pas pire quand on place une tradition à la place d'un commandement de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait avec un mauvais jour, par exemple? Mais bon, on va y venir lundi. Mais bon, bref, Romains 2, 24, ça aussi, ça c'est fort. Romains 2, 24, est-ce que, oui, je regarde 22h15. Romains 2, 24, décidément, aussi bien, on ne va pas avoir fini. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. Ça fait mal, hein, car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens, quoi, ou les non-juifs. Par rapport à nos comportements. Ouais, nos paroles, nos actions. 1 Timothée 1,20. Pourquoi j'ai mis 1 Timothée 1,20? Je veux savoir. On va le savoir tout de suite. Ah ouais, d'accord, je comprends. Ouais, de ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne point blasphémer. Ouais, c'est d'accord. Si on blasphème, ok, je comprends pourquoi j'ai pris ce verset. Ok. Maintenant, Exode 23. Exode 23, qu'est-ce qu'il dit? Je regarde, oui, j'ai le temps. Exode 23. Alors, Exode 23, vite, vite, vite. Exode 23, versets 21 à 23. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.
car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays des Amoréens, des Éthiens, des Phéréziens, des Cananéens, des Éviens et des Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point, et tu n'imiteras point leurs œuvres, mais tu n'imiteras point leurs œuvres, alors que nous, chrétiens, c'est ce qu'on fait malheureusement, on imite les œuvres des païens. Et après, on s'étonne qu'il nous arrive des... Enfin bref. Mais tu les détruiras complètement et tu briseras entièrement leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira ton pain et tes eaux et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Ouais. Ouais. On en est loin, malheureusement. Exode 28, 36. Pourquoi j'ai pris 28 ? 28, 36. Si tu lis le texte, après, ça va te revenir. Ouais. Ben oui, je comprends. Tu feras... verset 35. Or, Aaron en sera revêtu pour faire le service et on entendra le son quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel et quand il en sortira, il ne mourra point. Tu feras aussi une lame d'or pure sur laquelle tu graveras en gravure de cachet « Sainteté à l'Éternel ». Ouais, « Sainteté à l'Éternel ». Et c'est pour ça, si on porte mal son nom. Mmh. Ouais. Et attends, est-ce que j'ai le temps? Ouais, 18. Vous m'accordez jusqu'à et demi, hein, comme d'habitude. Ouais. Ouais, merci. Alors, Lévitique 11. Ouais, Lévitique 11, forcément. Lévitique 11, écoutez bien, 44 à 45. Comme quoi, quand Jésus, il a dit dans Matthieu 5, versets 17 à 19 et même 17 à 18, qui n'est pas venu abolir mais accomplir, et qui ne disparaîtra pas un seul iode, pas la plus petite moindre lettre que, jusqu'à ce que tout n'arrive. Donc, Lévitique 11, c'est sur les animaux purs et impurs, les 44 premiers versets. Mais écoutez bien ce qu'il dit dans versets 44 et 45, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre. » Donc ça veut dire que tu ne les mangeras pas. « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. » Donc s'il a déclaré une chose, il ne va pas la changer. Donc ça aussi, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Normalement, les animaux impurs, ben, ils sont toujours impurs. Donc si on voit des textes qui semblent contredire, c'est qu'il faut réfléchir et demander à Dieu la sagesse pour comprendre. Mais après, forcément, quand l'apôtre Paul, il va dire, bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, désolé, mais quand il dit « achète de tout ce qui se vend au marché », mais c'est des marchés juifs, donc forcément, il n'y aura pas de viande impure. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est ça. Donc, il ne va pas changer d'avis. Dieu ne change pas. Malachie 3, 6, Jacques 1, 16 à 17 et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et oui, et puis quand tu as l'apôtre Pierre, hein, lorsque Dieu lui disait de manger tout, elle lui disait, mais je n'ai jamais mangé des choses comme ça, tu vois. Ouais, bah oui, et puis il lui avait fait comprendre que c'était pour suivre les hommes parce qu'il n'avait pas l'habitude et, de... Et puis il y a des gens qui te donnent ce texte pour te dire, tu vois, tu peux tout manger. Comme prétexte, ouais. Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Bon, après, on ne peut pas de nous-mêmes, mais il faut le vouloir. Et après, Dieu l'accomplira en nous. Il nous perfectionnera de plus en plus. Luc 6, 36, regardez bien Luc 6, 36, qui est dit, « Soyez donc miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux. » Et 1 Pierre 1, versets 15 et 16, il reprend Lévitique 11, 44, 45. Alors, 1 Pierre 1, tac, 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 je suis allé trop loin. Voilà, 1 Pierre 1, versets 15 et 16, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Soyez saint car je suis saint. » C'est clair que, bon, ben, il n'y a pas photo. Et attendez, est-ce que j'ai le temps? Oui. Alors, hop. Donc, et regardez, bon, ben, Exode 20, vous l'avez vu. Lévitique 19, 12, je ne sais plus si on l'avait vu la première fois, mais on va le revoir vite fait, parce que juste pour finir mon argumentation, Lévitique, hop. Alors, Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom,
car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Là, c'est beaucoup plus clair, un texte comme ça. Vous avez vu, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis des fois, bon, je passe les détails, mais quand il y en a qui disent, ah ben jure, ah, tu ne veux pas jurer parce que c'est faux, mais ce n'est pas parce que c'est faux que je ne voulais pas jurer, c'est parce que déjà, même si j'y pense, regardez quand l'apôtre Pierre, il dit, j'irai jusqu'à la mort avec toi, je ne te renierai pas, il le pensait vraiment. Mais après, l'ennemi, il va tout faire pour qu'on ne tienne pas nos promesses. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas faire de promesses. Donc, il ne faut pas jurer au nom de Dieu. Parce que c'est plus que sacré. Oui, voilà. Parce que l'ennemi, lui, il va tout faire pour que... Après, on va dire, ah ben tu vois, tu as juré faussement. Regardez l'apôtre Pierre, il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais après, Dieu l'a réhabilité. La peur te fait dire n'importe quoi, tu vois. Mais voyez, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel, et je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie de profaner son nom. Deutéronome 5.11, bon, bah, c'est un rappel du Décalogue, donc pas besoin de le redire, mais Matthieu 5, voilà, c'était ce texte-là que je voulais venir, Matthieu 5, je regarde l'heure, bah, c'est bon. Matthieu 5, alors regardez Matthieu 5, versets 33 à 34, qui est dit, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu garderas les serments envers le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, voyez, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. C'est pour ça que maintenant, je ne jure pas, quoi. Même si après il y en a qui me disent, ah bah parce que tu comptes mentir ou non, mais il est écrit dans la Bible qu'on doit pas jurer. Donc quand les États-Unis ils jurent sur la Bible, et ben blasphème, c'est une hérésie. Donc on va leur dire, ouais, les États-Unis ils sont plus religieux parce qu'ils jurent sur la Bible. Mais non, il faut pas jurer. Donc en étant athée et en jurant pas sur la Bible, et ben c'est presque moins pire que jurer sur la Bible en étant croyant. Parce qu'il nous dit de ne pas jurer, justement. Mais bon. Sur le trône de Dieu, Dieu est assis sur son trône. Et ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que l'homme pour qu'on puisse contester, dire des choses. Mais que votre parole... ouais. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui dit de plus vient du malin. Voilà. Ce qu'on y ajoute, c'est vrai. Ouais, ouais. Et juste pour en revenir, les deux, trois derniers versets, est-ce que j'étais en... Oui, Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. Ah oui. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles ou par tes paroles, tu seras condamné. Ouais. C'est clair. Il y a du souci à se faire. Et Matthieu 23, mais bon, après, Dieu est amour. Hein. Regardez, l'apôtre Pierre, il l'a renié. Et c'est pour ça que Jésus l'a réhabilité par trois fois, vu qu'il l'avait renié trois fois. Après, Dieu est un Dieu d'amour, il ne faut pas oublier. Et si on a commis des impairs, si on est vraiment sincère, il nous pardonne. Amen, tout à fait. Alors, Matthieu 23, 16 à 22. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par l'or du temple est lié. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré ?» C'est le temple. « Et si quelqu'un dit, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien, mais s'il a juré par le don qui est sur l'autel, il est lié, insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui le rend le sacré, qui rend le don sacré ? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus, et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. » Jacques 5, 12. Ah ouais. Attendez, hop, j'ai presque fini. Hein. Il me reste trois versets. Alors, Jacques 5, 12. Toc, toc, toc. Après, je ne veux pas que tu me tires les oreilles. Non, je rigole. Parce que si je dis les cheveux, moi, ça marche. Si on dit les cheveux à Tito, tu ne peux pas les tirer. alors, Jacques 5, 12. Pourquoi ? Ah oui, d'accord. Bah oui, forcément.
Alors, sur toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non, non, de peur que vous ne tombiez dans la condamnation. Donc, la Bible est claire, on ne doit pas jurer. Donc, les Américains qui croient pieux et qu'on veut tous les imiter, c'est pas ouf. Comme quand on appelle un mec, un simple homme, mon père, alors que c'est qu'un simple homme. Eh bien, c'est comme si quand vous l'appelez mon père, c'est comme si vous le déclariez Dieu. Okay. Ouais, c'est clair. MDR. Non, normalement. Et alors, 2 Corinthiens 1, c'est l'avant-dernier. Ah ben si, il y en a un autre qui s'est rajouté, mais il y en a juste un. Donc, 2 Corinthiens 1, désolé, des fois, un verset peut en cacher un autre. C'est pas un train peut en cacher un autre, c'est un verset peut en cacher un autre. 2 Corinthiens, alors 1, 17 à 18, c'est surtout le 18, je crois. Ouais. Or, projetant cela, ai-je usé de légèreté, ou ce que je projette, est-ce selon la chair que je le projette, de sorte qu'il y ait eu en moi le oui, oui, et le non, non, Dieu qui est fidèle, mais témoin que la parole que vous avez reçue de nous n'a point été oui et non. Ouais. C'est pas flagrant, mais je pense que c'est plus Ésaïe, Éphésiens 5:4. Ouais, c'est celui-là. Verset 3, que ni la fornication. Vous voyez, quand il y a des chrétiens qui disent est-ce qu'on peut forniquer ? Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints. On a la réponse là. Et pourtant, il y en a qui ne se basent pas sur le Premier Testament, mais sur le dernier. Ben là, Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Que ni la fornication, ni aucune impureté, quand les chrétiens ils disent ah ben, c'est bon, on peut forniquer, c'est pas interdit. Ah ouais, c'était interdit dans l'Ancien, mais pas dans le Nouveau. Ben si, c'est interdit dans le Nouveau. Ni l'avarice ne soit même nommée, c'est encore pire. Il ne faut même pas que ce soit nommé parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Ouais, ça me fait rire, ouais, les pasteurs, des pasteurs qui disent que la fornication est autorisée, ouais, c'est grave. C'est grave, c'est vrai. Ils auront des comptes à rendre, hein. Ouais, c'est une abomination, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Mais ce n'est pas des vrais pasteurs. Oui, c'est clair, mais j'aimerais pas voir leur fin, je peux vous dire, hein. J'aimerais pas voir leur fin. Hein. Oui, il y a une pasteur, notamment sur TikTok. Elle est j'ai pas envie de lui faire de la pub. Enfin, bref. C'est une femme, tu m'avais dit. Ouais, Ecclésiaste 12, alors verset 14, et je pense que c'est le dernier, j'espère, à moins qu'il m'en reste. Du reste, mon fils, prends garde à ces choses, à faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et tant d'études n'est que fatigue pour le corps. Hein? Quoi ? J'ai pas compris, pourquoi ce verset ? Les paroles des sages sont comme des aiguillons et réunies en recueil, elles sont comme des clous plantés, celles-ci ont été données par un seul pasteur. Du reste, mon fils, prends garde à ces choses, à faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et tant d'études n'est que fatigue pour le corps. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné celui-là. La synthèse, peut-être. Ouais, ouais. Mais voyez, c'est quand même costaud. Donc, ah oui, purée. Attends, oui, voilà. Attends, Romain 10, les 3 derniers, vous m'accordez, c'est 22h31, désolé. Les 3 derniers, vraiment. Je ne sais pas pourquoi Dieu il m'avait dit celui-là. Alors, Romain 10. Ouais, Romain 10, il faut vraiment. Hop. Allez. Romain 10. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mm-hmm. Et Joël 2, verset 32. Ou Joël 3, certaines versions, verset 5. Alors, Joël, il faut que je trouve Joël. Joël, Osée, c'est après Osée. Et Osée, c'est après Daniel. Joël, voilà. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. Ouais, c'est clair, amen. Et le dernier, comme je vous avais dit, acte 20, 21, hop.
Aïe, 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 allez, acte 20. Il me faudrait 100 marque-pages, c'est acte 20, 21. Alors, et que je ne vous ai rien caché des choses au verset 20 qui vous étaient utiles, et je n'ai pas manqué de vous les annoncer et de vous instruire en public et de maison en maison. 21, prêchant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, comme quoi il y a deux noms, enfin deux noms. Parce que quand il dit Matthieu 28, verset 19, et allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du. Et le nom, c'est bien singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le nom, il est au singulier. Ce n'est pas le nom du Père plus le nom du Fils plus le nom du Saint-Esprit, mais ça veut dire que les trois portent le même nom. Mmh. Comme par exemple, Éric Alexandre Ginoux, ben, c'est mon nom à moi, mais je suis tout seul. À moins si je suis schizophrène et qu'il y en a plusieurs dans ma tête. Mais... Hein ouais. Non, à part s'il y en a plusieurs dans ma tête. Ouais, je sais pas, peut-être je l'ai déjà dit, hein, mais je confonds tout. Enfin, non. Par rapport à la Trinité, tu es en train de dire le nom. Ouais. Le nom. Donc, moi, par rapport à ça, je me dis, tiens, tu as un œuf, tu as la coquille, tu as le blanc et tu as le jaune. Ouais. Et ça fait un œuf. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et regarde, l'être humain, quand il dit faisons l'homme à notre image, on a un côté spirituel, on a un côté psychologique et un côté physique. Et on est tout seul. Ben ouais. Et regarde, quand il dit au commencement, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ben, ça fait, bon, j'aime pas trop ce mot-là, c'est pas biblique, mais Trinité, ça veut dire Triunitas, qui veut dire trois en un. Un shampoing, trois en un, il y a qu'un seul shampoing, mais il lave, il démêle et il coiffe, mais il est seul. Ouais. Mais ça fait la Sainte Trinité qui crée une trinité de trinité. Par exemple, au commencement, ben, c'est le temps, et Dieu créa le ciel et la terre, donc le ciel, ça fait l'espace. Et la terre, c'est la matière. Donc, ça fait le temps, l'espace et la matière, ça fait bien trois. Dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Donc, ça fait trois encore. Dans l'espace, il y a la longueur, la largeur et la hauteur ou profondeur. Ça fait trois aussi, trois dimensions. Et dans la matière, il y a le liquide, le solide et le gazeux, trois aussi. Donc, trois, trois, trois. Et on marche par trois. Expliquer tout ça. Ben ouais. Jean 17, 26, un dernier. Désolé. Personne pour te démentir. Il faut toujours qu'il y a des gens qui veulent avoir raison et qui vont dire ben non, c'est pas comme ça, les patati et patata. Enfin, bref. Et c'est dommage, il y en a, ils débattent entre la Trinité et le modalisme, alors que c'est voisin. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. C'est juste une mauvaise compréhension. Et puis, on essaye de limiter Dieu, de l'emboîter dans une brique, mais ce n'est pas dit. On aura la vie éternelle si on connaît la nature de Dieu. Non, c'est hors la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne doit pas essayer de comprendre Dieu, de connaître Dieu, c'est-à-dire de connaître sa nature. Parce que si on connaissait sa nature, si on savait exactement, ben, ça voudrait dire qu'on serait l'égal de Dieu. Si on sait tout, ben, on est Dieu, quoi. Et non, faut s'arrêter. Deutéronome 29, 29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à ses enfants. Donc les choses cachées, on doit les laisser telles quelles. Il n'est pas dit tiens, tu dois connaître absolument ma nature pour être sauvé. Mm-hmm. Mais bon, un dernier texte et là c'est sûr. Alors c'est sûr. Oui, Jean 17, 26, mais le verset 25 pour comprendre. Père juste, c'est-à-dire qui est juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé et je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux. C'est énorme. Aïe. C'est énorme. Alors attendez, hop, j'ai fait un marquage et là j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions d'abord. Et désolé, c'était... Alors, hop. Attends. Ouais. Et juste avant de finir, je regarde juste si ce texte, il était. Oui. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, ô Père. Ouais, ça ressemble à Romains 8, 15. Ouais, tout à fait. Hop.
Donc voilà, je mets ce que. Et la prochaine fois, lundi, je parlerai. Il y aura juste, à part si Dieu m'en rajoute, il y aura juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 petits textes à voir ensemble. Ok. Désolé. Ouais. Donc, vous n'avez pas de questions, c'est sûr? Bon, ben, est-ce que l'un de vous veut prier pour terminer l'étude? Vas-y, Vincent. Voilà. Faut que je désactive le micro sur OBS, c'est pour ça. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci pour ces études, que tu puisses bénir dans ces instants nos familles, Père, que tu puisses nous faire grandir dans ton chemin, que nous avançons vers toi avec humilité, que nous apprenons à nous servir de ton nom en temps voulu, Père, et que tu puisses nous guider, nous fortifier, car comme ta parole le dit justement, comme David l'avait dit, c'est en ton nom que nous avons la puissance, en ton nom que nous avons le secours, Père, et ton nom est une forte tour dans laquelle le juste s'y réfugie. Dans tous les cas, je sais que ton nom est puissant et que il est au-dessus de tout autre nom et que rien ne peut t'arrêter, Seigneur, et que tu puisses agir, nous fortifier, Père, dans ton chemin, que nous ne te lâchons pas et que face à l'épreuve, face à ces temps difficiles, Père, que tu fortifies tes enfants et que tu les guides, Père, à être fortifiés, à avoir secours en toi et à te réclamer, à toujours rechercher le plus en toi, Père, et que tu puisses vraiment être là au milieu de nous, Père, dans toutes nos situations et que notre cœur sache que tu es là, même quand nous ne le voyons pas, et que tu puisses faire que nous ayons confiance en toi. Comme le disait justement Jérémie dans Lamentation, car les bontés, tes bontés n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. Et que avant justement, il le disait que tu lui avais brisé ses dents, que tu lui as mis les ténèbres dans son cœur, mais que justement son cœur se rappelait de toi, de ton secours. Et à la même manière que Job, tu l'as secouru, je sais que tu nous secoueras, Père, dans nos difficultés. Et que dans tous les cas, si tout se passe, tout cela est dans des bonnes conditions, Père, nous louerons ton nom, car nous savons que c'est par toi que nous prospérons, Seigneur. Sois loué, sois adoré pour l'éternité. Amen. Amen.